Coucou tout le monde, c'est Jessica, les doigts d'une fée, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo, mais aujourd'hui je reviens au taquet. Donc ma vidéo c'est une petite revue sur tout ce que j'ai acheté, du mois dernier à aujourd'hui, des petites choses intéressantes, des petites choses sympas, des petites choses qui pourraient peut-être vous aider. Et voilà, donc je sais que vous devez être en train de lorgner sur ma petite chevelure. Donc ce sont des Asian Hair, voilà. Donc je les ai bouclées avec mon fer, mon petit fer magique, voilà, que vous pouvez trouver en vente chez moi ou chez Dream Virgin Hair. Alors les filles, attention, parce que dans ma précédente vidéo, j'avais fait en fait une vidéo sur les fers magiques. Il y a certaines filles qui ont passé commande et qui n'ont pas encore reçu leur commande. Ça ne serait tardé, je vous rassure les filles. Là, mon fournisseur m'a envoyé les produits. Enfin, je vais devoir aller à la poste et les récupérer demain. Donc, je vous les envoie directement après. Pour les autres, moi, j'attendais d'être sûre de pouvoir avoir mes produits pour pouvoir vous les envoyer. Enfin, pour pouvoir vous les reproposer. Donc, je vous les repropose dès aujourd'hui, donc dès ce soir, quoi, en gros. Voilà. Donc, ce fer magique, il vous fait des boucles de rêve. Je vous laisse regarder, parce que franchement, voilà. Donc, celui-là, c'est le fer avec un diamètre un petit peu plus gros. Hein. C'est pas le petit fer. Celui-là, c'est le gros fer. Voilà. Donc, moi, je vous le conseille. Après, c'est pas parce que c'est moi qui le vends que je vous le conseille. Je vous le conseille parce que si vous voulez avoir une coiffure comme ça, et ben voilà. Après, je sais pas qu'est-ce que vous pensez de ma coiffure. Si vous aimez, si vous aimez pas. En tout cas, là, j'ai mis 4 paquets de Asian avec une closure. C'est le top, donc la closure c'est top, pourquoi? Parce que moi j'en ai un petit peu marre en fait de la closure normale en fait. C'est vrai que quand on vous regarde de près, l'effet filé ça se voit un petit peu trop. Vous avez même, enfin même si vous la bleachez, l'effet filé je trouve que ça se voit un peu trop. Donc ce que je vous conseille c'est de passer un petit peu à la Silk Top. C'est vrai que c'est un petit peu plus cher, mais c'est vraiment pas mal. Faut vraiment bien qu'on vous la pose par contre, mais moi je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, en plus ça fait vraiment effet crâne. Bon, moi en fait j'ai regardé une vidéo, je me suis inspirée d'une vidéo en fait pour que ça fasse pas trop clair. Donc en fait il faut tremper votre closure, excusez-moi, dans du café. C'est bizarre, hein? Vous trempez votre closure, enfin la racine, la peau de la closure dans du café et vous allez voir le résultat. Ça va vous donner une closure un petit peu marron, quoi, à la couleur de votre peau. Donc café, café, à la couleur de votre peau café. Et voilà, voilà. Donc moi je vous conseille mon fer, je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez l'acheter. Et voilà, donc en ce qui concerne le fer, voilà. Donc moi ma coiffure, c'est vrai, vous devez vous dire, Jessica change tout le temps de coiffure, c'est quoi cette fille, dites-vous aussi, n'oubliez pas que je suis égérie pour une marque de cheveux, je me coiffe toute seule, enfin souvent seule, je fais beaucoup de confections, voilà. Donc pour les confections, moi je peux vous en faire, il n'y a pas de souci. Si vous voulez par exemple une confection comme ça, je peux vous la faire sans problème. Vous m'envoyez un petit message inbox, même si je mets du temps à répondre. C'est pas grave, je répondrai quand même, sachez-le. Voilà. Je me suis laissée tenter, les filles, par les rouges à lèvres de chez Slick, grâce à vous. Parce que c'est vrai que sur ma page, il y a beaucoup de filles qui m'ont dit « Oui, Max, c'est bien, mais c'est un petit peu cher. » Et Slick, c'est très bien aussi, et c'est 5,99€. Donc, ce que j'ai fait, quand j'étais à Matonge, en Belgique, je me suis pris un rouge à lèvres Slick. C'était le 778, le mat Stiletto. Franchement, les filles, merci. Merci beaucoup, parce qu'il est top de chez top. Franchement, ce rouge à lèvres, c'est juste une tuerie, quoi. Il est vraiment pas mal. Bon, on va pas se mentir, hein. C'est pas du MAC, mais c'est pas mal et ça a une longue durée aussi. Donc, ensuite, arrivé sur Paris, je m'en suis pris deux. Donc, j'ai pris le Pink Freeze. Le Pink Freeze, qui est vraiment pas mal. Voilà, je sais pas si je vais l'utiliser, mais bon. Parce que moi, je suis pas très rose, hein. Je préfère le rouge à lèvres rouge parce que pour moi, c'est plus... C'est plus sensuel que le rose. Et c'est vrai que le rose sur une blague, faut vraiment qu'il soit bien mis parce que sinon ça fait pas top top. Voilà. Mais après, moi je vous le conseille, il est vraiment pas mal. Si vous aimez bien le rouge à lèvres rose, je vous le conseille. Voilà, donc ensuite, j'ai pris le Sheen OMG 784. Alors lui vraiment c'est un rouge orangé. Qui est vraiment, mais vraiment pas mal. Hein. Moi, j'aime beaucoup, mais c'est vraiment très rouge. Hein. Donc, attendez-vous à ce que les gens ils vous regardent et disent « Ah oui, elle a mis vraiment du rouge à lèvres rouge. Hein. » Mais il est top. Franchement, il est top. Donc, tout ça pour 5,95€. Donc, en tout cas, celui-là de Matonge,
il coûte 5,95 €. Et celui-là de Château, que j'ai acheté en fait à Château d'Eau dans une boutique afro, il était à 6,90 €, donc presque 1 € de plus. Mais faut pas abuser quand même, hein, presque 1 € de plus. Bon, après maintenant j'imagine qu'ils doivent payer leurs taxes et tout, donc c'est peut-être logique que ce soit à ce prix-là, je sais pas. Voilà. Alors, je me suis laissée tenter grâce à une fille de mon Facebook par les produits LA Color, voilà. Donc, c'est deux crayons pour les yeux. Donc, c'est pour celles qui ne savent pas très bien se maquiller les yeux. Voilà, c'est vraiment top de chez top. J'apprécie vraiment, vraiment, vraiment ce crayon. Parce que franchement, ça ne demande pas trop d'effort. Vous le mettez et c'est top. Voilà, donc là, j'ai pris un Desert Sun. Donc, un doré parce que je trouve que sur les blacks, le doré, ça passe très, très bien. Voilà, et j'ai pris donc un doré. Alors, le doré s'appelle Desert Sun. Le Desert Sun, voilà. Et j'ai pris le Vacation. Le Vacation, voilà, donc c'est un violet. Voilà, c'est un violet un petit peu bordeaux. Et franchement, il est vraiment pas mal, il est vraiment, à vrai dire, il est vraiment top, donc je vous le conseille également. Voilà, donc ces deux produits, ils étaient à 3 €, moi je les ai achetés en fait à côté de chez moi à Évry, à Prestige, mais je sais qu'il y a des boutiques sur Paris où il y en a. Il faut se renseigner un petit peu sur internet, voilà, ou sinon vous pouvez les commander également sur internet. Voilà, donc par la suite, en fait, j'en avais un petit peu marre de mon eyeliner by Terry. Vous savez, l'eyeliner que vous voyez sur toutes mes vidéos, c'est vrai qu'il est pas mal. Il est cher et moi, surtout, avant, je travaillais chez eux. Donc, j'en avais en dotation. Mais bon, maintenant, en fait, je voudrais en fait utiliser un peu, enfin peut-être changer, et peut-être utiliser un eyeliner un petit peu plus gras et qui peut durer vraiment, on va dire, toute la journée. Donc je me suis laissée tenter, en fait, je suis partie dans mon petit marché, donc le marché de Juvisy, et il y avait un monsieur, je ne sais pas d'où viennent ces produits. Je ne vais pas dire que je le suspecte de les avoir volés, mais je ne sais pas d'où viennent ces produits. Donc c'est Make and More Makeup, et franchement, c'est top de chez top. Et j'adore, quoi, parce que ça fait vraiment, enfin, c'est agréable d'avoir un liner vraiment bien, voilà, parce que je trouve vraiment que ce eyeliner est bien, et enfin que ce liner, que cette petite, enfin que ce, en plus de ça il est waterproof, donc je trouve que c'est top et je l'adore, voilà. Donc je vous le conseille. Donc je l'ai acheté à 2 € au marché de Juvisy. C'est pas mal, mon marché de Juvisy, franchement il est top. À chaque fois que je suis là, je fais la promo du marché de Juvisy. Il devrait commencer à me donner des trucs un petit peu gratuits, hein. Marché de Juvisy par-ci, marché de Juvisy par-là. D'ailleurs, c'est pas fini, je vais vous montrer une paire de chaussures que j'ai acheté au marché de Juvisy. Vous-même, ça va vous étonner, vous allez dire non, franchement je sais pas où c'est le marché de Juvisy, mais je vais prendre le train et je vais aller au marché de Juvisy. Voilà. Donc par la suite, donc on va passer un peu aux produits capillaires, en tout cas pour les extensions. Voilà, donc je suis partie, enfin quand j'étais en Belgique, j'ai trouvé en fait ces produits. Donc cette petite gamme génialissime, voilà, de produits pour cheveux. Voilà, donc pour cheveux naturels ou pour cheveux ou pour tissage, voilà. Donc la marque de ces produits, c'est Organix. Je sais pas si vous connaissez. J'ai vu ça sur des vidéos YouTube et je me suis dit, il faut que je teste. Donc si vous voyez que mes cheveux sont soyeux, c'est vraiment grâce à ces produits. Ils sont vraiment top de chez top. Et les masques, juste génial. Je sais pas si on peut le trouver à Paris. Je vais faire ma petite recherche et vous mettre peut-être les adresses en barre d'infos. Mais shampoing après shampoing, masque et sérum, ces produits sont juste géniaux. Je suis juste fan. Franchement, ça, quand votre tissage, vos cheveux sont un petit peu rêches, faites juste votre shampoing. Vous faites un shampoing, un après-shampoing. Et le masque, au lieu de laisser 5 minutes, vous le laissez 1 heure. Vous prenez une serviette d'eau bien chaude et vous l'enroulez autour de votre tête. Vous laissez ça, vous laissez le tout 1 heure. Vous enlevez, vous lavez et vous laissez sécher vos cheveux à l'air libre. C'est vraiment top de chez top, les filles. Je vous conseille vraiment cette gamme. Alors, c'est encore mieux que du John Frieda, parce que John Frieda, depuis qu'ils ont changé la formule, c'est bien, mais c'est plus comme avant, en fait. Donc, j'ai un peu de mal, en fait, avec John Frieda. Voilà, mais ces produits sont top et je vous les conseille. Et je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Vous pouvez les acheter. Il n'y en a pas à Carrefour, il n'y en a pas à Auchan, il n'y en a pas à Intermarché. Je ne sais pas où est-ce qu'il y en a. J'en ai pas vu non plus chez les pros, mais je vais trouver juste pour vous. Je vais trouver les filles. Oui, c'est ma mission. Je vais trouver.
Ah oui, et le must du must de cette gamme, donc c'est le produit, donc c'est le sérum penetrating. Voilà, donc il est juste top de chez top, il vous fait briller vos cheveux sans que ça fasse gras, sans que ça fasse lourd, c'est top de chez top, je vous le conseille les filles. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? S'il y en a qui connaissent, on peut en discuter et tout, comme ça vous donner votre avis sur ce produit. Et voilà, moi je le trouve vraiment top. Ma dernière acquisition les filles, j'ai eu un petit coup de sang en fait la semaine dernière en allant à Kilo Shop, voilà. Je savais pas ce que je cherchais, je me suis dit bah écoute Jessica, va là-bas, tu vas forcément trouver quelque chose qui te plaît. Et voilà, donc ma dernière acquisition, ne rigolez pas les filles parce qu'il y en a, elles aiment trop se moquer de moi. Et voilà, ne rigolez pas, mais même si vous rigolez, moi je m'en fiche parce que porter, ça va juste le faire. C'est vraiment mon style, enfin non, en fait c'est pas vraiment mon style, mais je vais faire en sorte que ça devienne mon style. Voilà, donc j'ai pris cette petite veste en cuir, donc c'est une veste motarde, voilà. Donc une vraie veste motarde quoi, c'est une veste pour monter sur une moto. Mais elle est top de chez top. Franchement, portée, c'est juste une dinguerie fine. Voilà, donc j'ai eu un coup de sang, c'est vrai. Mais franchement, elle est vraiment trop trop bien. Vous la portez, tac, vous mettez ça avec un petit crop top, avec une petite jupe ou un petit jean et tout. Bon, par contre, va vraiment falloir que je me mette au régime parce que là, j'ai pris vraiment 8 kilos. Là c'est plus simple, c'est plus un coup, j'ai pris 8 kilos. Donc on va voir que je me mette au régime avant de la porter sérieusement dehors. Mais je vous jure, c'est une veste de guerre. C'est une veste de guerre les filles. Non mais oui, non mais sérieusement, c'est une veste de guerre comme ça, on dirait pas. Mais je vous jure, elle donne vraiment. Elle est vraiment top. Voilà. Bon, comme l'hiver c'est fini, inutile de s'acheter des bottes, voilà, des longues bottes, des cuissardes, etc. Voilà, donc je suis partie chez Sacha. Sacha Shoes, je sais pas si vous connaissez ou vous avez pu remarquer en fait ces derniers temps, j'aime beaucoup cette marque, j'aime beaucoup la marque Sacha, je trouve qu'ils ont des chaussures vraiment géniales. Et je me suis trouvé cette petite paire de bottes, voilà, donc une petite paire de bottes à guêtres, voilà, pour changer. J'adore, c'est vrai que j'adore les bottes à guêtres, c'est vraiment trop mon délire. Donc je me suis pris cette petite paire de bottes à guêtres pour changer. Donc à la base elle était à 119,95€ et je l'ai eu en promotion à 60€. C'est du cuir, c'est un dégradé de gris et franchement je les trouve vraiment très bien. Et voilà, vous pouvez les mettre vraiment avec tout et dans toutes les saisons, c'est ça qui est bien en fait. Elles sont pas du tout lourdes et tout, elles sont légères et confortables et tout, donc moi j'ai vraiment apprécié. Et puis Sacha, c'est de la bonne qualité, hein. Je sais pas si vous allez aimer, mais moi je les trouve vraiment top 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 top. De toute façon moi je suis quelqu'un, je trouve tout top. Donc, je vous disais les filles que dans mon marché, le marché de Jivizi, il y a souvent des trucs vraiment géniaux, hein. faut avoir le temps d'y aller. Et puis moi je suis juste à côté, donc à chaque fois le samedi j'ai un coup de sang, je me dis vas-y Jessica, va au marché de Jivizi et tout. Voilà, donc je suis partie au marché de Jivizi et regardez ce que j'ai trouvé. Donc c'était, il y avait un dégriffé de Urban, non c'est pas Urban Outfitter, c'est Office London. Donc Office London, en plus cette boutique quand je suis partie à Londres je l'ai vue, mais les chaussures elles étaient juste trop trop chères. Donc je me suis trouvée une petite paire de bottines, voilà, de chez Office London, Office UK plus précisément. Je me suis trouvée cette petite paire et j'adore, et devine à combien je l'ai eue, vous allez halluciner, 20€, c'est du cuir vieilli et tout. J'ai eu ça, cette petite paire à 20€ quoi. Et quand j'ai regardé sur internet, elle était juste à 120€. Voilà quoi. Quand de 120€, tu passes à 20€, t'es juste trop contente. Donc je les ai eues au marché de Juvisy et elles sont top de chez top. Et je vous les conseille, si en tout cas s'il en reste. Ça m'étonnerait qu'il en reste parce que je les ai achetées il y a une semaine. Donc ça m'étonnerait qu'il en reste encore. Mais je vous les conseille. Voilà, c'est mon petit plaisir. En plus de ça, c'est un truc, c'est des chaussures, c'est pareil. Vous pouvez les porter avec tout et vous pouvez les porter dans toutes circonstances. Donc c'est juste top de chez top et je vous les conseille. Alors place au petit cadeau. Donc j'ai eu un cadeau en fait par Prisley Air sur Facebook. Voilà, elle m'a offert des petites éponges. Donc des petites éponges pour mettre votre concealer, pour estomper votre concealer, pour mettre votre fond de teint, enfin vous en faites ce que vous voulez. Elles sont top. Bon, moi j'ai déjà testé la bleue, c'est pour ça qu'elle est pas très propre d'ailleurs. Donc j'ai testé la bleue et j'adore. Et je vais vous mettre son lien en barre d'infos. Elles les vendent à 5€.
c'est vraiment raisonnable. Donc je vous la conseille. En plus, elle est sérieuse et franchement, ces petites éponges, elles sont juste top de chez top. Voilà, donc voilà. Merci les filles, comme d'habitude, vous avez été là à regarder ma vidéo jusqu'au bout. En plus de ça, je parle beaucoup. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.